Le 21 novembre 2017, Emmanuel Athias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ. Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Athias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années, des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. Il y a quelques jours, le monde du Gotha a été surpris d'apprendre la disparition prématurée de l'une des plus grandes fortunes de France. L'héritier d'un empire de la finance, un génie de l'investissement, doublé d'un visionnaire. Benjamin de Rothschild est décédé le 15 janvier 2021, à l'âge de 57 ans. L'homme, qui vivait à 100 à l'heure, présentait que la mort le guettait. Il y a quelques années, lors d'un entretien avec des journalistes, cet amateur d'excès et de passion avait déclaré qu'il ne risquait pas de mourir très vieux. Il espérait alors pouvoir prochainement transmettre de son vivant et sans tarder, la gestion à ses filles d'un patrimoine estimé aujourd'hui à plus de 4 milliards d'euros. Un patrimoine qu'il avait fait fructifier, mais dont il n'était pas à l'origine. Issu d'une prestigieuse lignée de banquiers européens, Benjamin de Rothschild avait dans le sang le moteur des vainqueurs qui anime, depuis le 18e siècle, l'une des familles juives les plus célèbres de la planète. Revenons sur la fabuleuse histoire d'une célèbre dynastie, apparue en Allemagne en 1570, et appelé à rimer avec richesse et réussite. Le patronyme Rothschild a été adopté par Isaac Elchanan, un ancêtre natif de Francfort, établi dans la ruelle des Juifs, la Judengasse. Ce marchand fit du blason qui ornait sa maison un nom de famille, à une époque où les membres de la communauté juive manquaient encore de reconnaissance, faute de titres et d'état civil. Pourtant, c'est son descendant Mayer Amschel qui, deux siècles plus tard, amorcera le tournant économique décisif de la lignée en transformant le modeste commerce de prêt sur gage créé par son père en banque reconnue ce juif de cour devait devenir le trésorier du prince électeur de hesse-cassel guillaume ier a sa suite cinq de ses dix enfants allaient être amenés à ouvrir des succursales dans les grandes villes d'europe occidentale de l'époque londres paris vienne naples et francfort ces cinq fortunes symbolisées sur l'emblème de la famille au moyen de cinq flèches deviendront plus tard les cinq branches prestigieuses d'une dynastie appelée à marquer l'histoire Élevé au rang de baron par l'empereur d'Autriche, les Rothschilds contribueront en quelques décennies à faire émerger une nouvelle société juive occidentale utile et reconnue. Des cinq branches d'origine ne subsistent aujourd'hui pourtant que l'anglaise et la française. Installé à Manchester, puis à Londres, le fondateur de la branche londonienne doit sa fortune à un événement majeur de l'histoire européenne. Informé par un pigeon voyageur de l'issue de la bataille de Waterloo, Nathan Mayer Rothschild, Spécula en 1815, avant tout le monde, sur la victoire de la coalition menée par les Anglais face à Napoléon. Des Anglais que le banquier londonien finançait depuis plusieurs mois déjà pour contrer les ambitions françaises en Europe. En remerciement, la couronne britannique accordera des titres de noblesse à la branche londonienne et la sollicitera par ailleurs à de nombreuses reprises plus tard pour développer son empire. Le fils de Nathan participa ainsi au creusement du canal de Suez en Égypte. Et encouragea l'essor du chemin de fer au Royaume-Uni tout au long du XIXe siècle. Plusieurs héritiers servirent souvent de façon volontaire sous l'uniforme anglais, comme Evelyn, tombée sous les balles ottomanes en Palestine, ou encore son frère Anthony, blessé lors de la célèbre bataille anglo-turque de Gallipoli dans les Dardanelles. La contribution des Rothschild est impressionnante, quels que soient les domaines. On doit ainsi à l'anglais Nathaniel de Rothschild, né en 1812, d'avoir acquis et développé dans le Bordelais. Un domaine viticole appelé à devenir l'un des plus renommés au monde. J'ai nommé le cru classé le Pauillac, mieux connu sous l'appellation Mouton Rothschild. À la même époque, son oncle, James de Rothschild, né Jacob Mayer, fait rayonner la branche française à Paris. Grand philanthrope, le représentant de la lignée installée rue Lafayette est un esthète autant qu'un bon vivant. Collectionneur d'art, passionné de chevaux et de vin, il amorce un nouveau tournant familial en investissant dans les écuries de courses de chevaux. Cet intérêt pour le monde équestre ne sera plus démenti ensuite, et Benjamin, son descendant direct, récemment décédé, pouvait se réclamer de son héritage. Féru de bon vin, James acquiert à son tour dans la seconde moitié du XIXe siècle un vignoble dans le Bordelais, aujourd'hui mondialement célèbre, le château Lafitte-Rothschild. Fier de leur patrimoine, amoureux de la patrie et soucieux de lui offrir le meilleur, la branche française n'aura de cesse au XIXe et XXe siècle de défendre les intérêts français, que ce soit en soutenant l'effort de guerre contre la Prusse en 1870, en servant dans les tranchées en 1914 sous l'uniforme des Poilus, ou encore en s'engageant dès 1940 pour contrer l'avance allemande. Spoliés et traqués pendant la Shoah, les rôtiles de Paris devront néanmoins faire profil bas lors de la Seconde Guerre mondiale face à une politique vichiste scélérate qui manquera de peu de faire disparaître la branche française. Mais c'est sans compter la résilience des survivants, soucieux de renouer avec le prestigieux passé familial et dont peuvent tirer orgueil les feux de feu Benjamin de Rothschild, dont la tâche sera désormais de passer le flambeau à la prochaine génération. Pour retrouver cette chronique, il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, Emmanuel Athias. Nous nous retrouverons, si tout va bien, la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Atias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ. Patrimoine, culture, judaïsme. Emmanuel Atias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.